Et salut à tous, c'est Gorskull, et bienvenue dans la suite de Arc. Oui, le ciment, c'était pour la selle du carbo. Mes cuts étaient un peu trop violents à certains moments. Je rejoins l'avis de mon ami Devil Sliffer qui m'a dit « C'était bien, mais des fois ta cut, il y avait trop. Il y avait trop. Ce coup-ci, j'ai préparé l'épisode. Une selle pour le carbo, bon, en fait, finalement, ça servait à rien parce que franchement, il avance à ce putain d'enfoiré. » Excusez-moi, bien sûr, les gros mots, ça fait partie de la chaîne, les amis. Il avance à 2 fucking à l'heure, les gars. Regardez-moi cette lenteur. Oh ! Et un paratex, s'il vous plaît, les amis, que j'ai chopé en off. Évidemment, la maison, on l'a changée, on l'a mis full bois. Je me suis pris le loisir, les amis, de faire une petite terrasse, s'il vous plaît, pour eh bien, observer l'océan. L'horizon, le lever de soleil, coucher de soleil, alors que je suis pas du tout dans la bonne direction. Donc, je sais même pas s'il y en a un. S'il y en a un visible, hein, bien sûr. Les amis, voilà, on a tout fait en bois. Alors, une galère, hein, évidemment. J'ai regardé des petits trucs, là, comme la chaîne qui m'avait proposé Peter de Aaron Longstaff, ou je ne sais pas quoi. Je n'ai rien fait de plus, hein, les amis. Le lit, j'ai juste tout foutu en bois. En démolissant, en voulant remplacer, j'ai recassé d'autres trucs, donc j'ai perdu énormément de ressources, parce que voilà. Les gars, la trame de l'épisode, on va essayer de faire ça propre. J'ai un petit peu de métal, et j'ai de quoi fabriquer, les amis, le four, normalement, et l'atelier. Donc on va prendre tout ça, on va mettre ça en place, histoire de se faire quand même une hache en métal. On va essayer de faire un petit radeau, partir en exploration, voir ce qu'il y a peut-être sur l'eau, j'en sais rien. On va essayer de chercher aussi vite fait des caisses, qui donne de l'XP, j'ai vu qu'il y a des caisses qui donnaient de l'XP, j'en ai pas croisé une seule encore, donc il faut que je vois ça. Les petits raccourcis, voilà, ça m'évitera de faire glisser, voilà, et puis le petit F pour entrer dans l'inventaire directement est tout à fait délicieux. Merci à Darko encore une fois pour ce truc. Fibre et silex, évidemment, j'ai pas trop pris, j'ai juste fait une armoire et un frigo, il me semble que ça doit être un frigo, il me semble ça. J'ai mis tous les trucs hein, qui avaient des machins là, des jauges de pourrissement, on va dire ça comme ça. On fabrique un seul, on va pas s'amuser à faire multiforge, hein, faut pas déconner les gars. Lingot de métal 5 et pot 20. Bon, il faudra hop. On va poser notre petite forge ici, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Et l'atelier en. L'atelier, on verra. J'ai de quoi aussi continuer la maison, les amis. Alors, attends, c'est pas bien droit, ce truc. Ah oui, je peux le tourner, c'est vrai, j'ai oublié ça. Merde. Du coup, je rentre dans le truc. Alors, attends, faut que je me mette déjà bien dans... Après, j'ai vu qu'il mettait une échelle pour être... Je sens... Ouais, c'est un peu en biais, va, écoute. Hein. C'est un peu en biais. Les gars, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Bah, du bois et puis le métal, je pense. Hein. Alors, la carbo, effectivement, pour le début de game, je pense que c'était un mauvais... Merci, c'est là. Je pense que c'était un mauvais choix parce qu'en gros, c'est fait pour protéger... Ah oui, tu vois, F directement, voilà. Je pense que nécessite un combustible... Extrait des rochers, peut-être dans une forge. Donc je pense, bah, feu et ça, ça devrait être bien. Et faudra qu'on fasse l'atelier. Alors l'atelier, il nous fallait 5 métal. Le temps qu'il y a ça, il nous faut des pots. Donc un petit paratech, hein, les amis. Level 33, s'il vous plaît. Donc la petite touche F, impeccable. Je lui ai mis, je ne sais plus. L'énergie, il en a beaucoup, je trouve. Hein. Pods, ça va aussi. On va lui mettre un peu de vie. Je sais vraiment pas. Donc Paragore, level 34. Une levée directe, merci les amis. On va aller chercher juste un petit peu de peau. On va se faire ça. Alors, le but, ça serait de faire une petite hache en métal parce que la hache de pierre casse vraiment très rapidement. Les petits bonhommes là que je vous expliquais là, quand je cherchais pour faire du ciment justement pour la selle du truc, c'est des trilobites. Alors j'ai dû aller dans l'eau, j'ai regardé sur le net ça parce que j'avais pas eu de retour là-dessus, les amis. Donc, j'ai dû chercher ces petits scarabées là de. Ces petits invertébrés là, je sais pas quoi, ces petits trilobites. Donc c'est sur eux que j'ai pu trouver chitine, les amis, qu'il me fallait pour justement cette fameuse... oui, cette fameuse selle de carbo qui sert à rien parce que t'avances à 2 à l'heure et... Mais on peut pas tout savoir, les amis, hein.
Comme je vous ai dit, ah oui, puis la carbo, je lui ai dit, tiens, pars en promenade. Je l'ai retrouvée là, ici, en train de se faire électrocuter par une méduse. Je l'ai retrouvée en train de se faire, mais bon, elle a résisté. Non, mais j'ai dit, écoute, j'en peux plus de cette tortue. J'ai dit, écoute, maintenant, tu te promènes plus, on fera un enclos plus tard autour, si on reste ici. Et voilà. Donc, comme dit, oui, on peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. On découvre. Là, je gaspille des flèches, mais il me semble que, si je me trompe pas, on les ramasse, hein, voilà. Alors oui, merci à Geoff aussi pour le détail complet, si je dis pas de bêtises, un H c'est bien pour les peaux. Quoique des fois t'as plus de viande que de peau, donc voilà. J'ai regardé aussi également qu'est-ce qui serait intéressant en dinosaure pour le bois, et c'est mammouth. Alors, j'ai regardé sur le... Sur le soleil, là, enfin sur le soleil, sur la carte, les amis, c'est en haut, à l'est, au niveau de la montagne. Alors, on donne toujours les abscisses et ordonnées, donc en genre c'est 70, 80, 20, tu vois. Donc, j'ai dit, oh putain, c'est loin. Il a dit, on va commencer un petit peu. Je ne suis toujours pas allé au-delà de cette zone, hein, les amis. Je suis que resté là-dedans, donc j'ai rien découvert de plus. On a de quoi aussi faire un toit. Je pourrais faire deux étages, je vais en faire qu'un. J'ai une interrogation, c'est sûr. Là, ma petite bibliothèque là, qui dépasse mon petit stockage. Si je mets un toit, ben, un toit en pente, hein, bien sûr. J'ai peur que ça passe pas parce que le truc il dépasse. Donc ça, on va le tester tout de suite après. Ben, on va faire l'atelier, peut-être qu'il y a moyen. Oui, du métal. 7, putain, j'avais... Ah ben, mâche en métal, je l'ai pas pour tout de suite. Hein. J'ai aussi, il faut que je vous montre après. Ah mince, ah bah là je suis un peu coincé là. Bois 30, je vais vous montrer aussi. Ah, petit level, hein. Je vous ai écouté, hein, pods les amis. Et là je monte énergie jusqu'à 200. J'ai quelques points d'engramme, hein, comme tu peux le constater. 36, hein, encore. Donc on va refaire un tour. J'ai bah, les bottes en cuir, les gants en cuir. De temps en temps il a froid. Peut-être une petite paire de bottes là. À 10 quand même, merde. Ah mais il faut de toute façon. C'est pas un problème. Les trucs de flotte, vu que j'ai de l'eau à côté pour l'instant, je l'utilise pas. Quand on fera des cultures, si on reste là pour l'instant, hein, tout ce qui est porte de dino, machin et tout, je sais pas. Les pièges avec alarme, il commence à avoir des trucs. Donc la fourrure pour aller, mais j'ai vu que ces fameux mammouths, ils pouvaient se trouver juste en bas de la montagne. Donc pas obligatoire d'aller dans la zone enneigée. Donc c'est plutôt cool. Là, il y a tout ce qui est pierre. Non, les gars, on va... tranquille, hein, il y a piège à ours. Non mais écoute mon pote, Galliminus, ça il me semble ça va assez vite le Galliminus. Je connais quasiment aucun dino, hein, à part le Triceratops et tout, le Bronto, le Para et le Pteranodon. Les autres je connais rien du tout. Et j'ai loot ça dans un coffre, les gars. Je l'ai mis où ce truc? Ah oui, là. J'ai loot ça. Plan, schéma, revolver, arme. Utilise des balles ordinaires. Can be crafted at atelier. 60 lingots de métal, les gars. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, il me fallait de la peau. Y a pas un petit machin qui traîne. Ah, et lui, monsieur. Vous pouvez dégager de la maison, s'il vous plaît. Oui, donc, pour en revenir au Bronto. Ouais. On m'a clairement dit, Devil Sleeper m'a dit que tout de suite, hein, mon coach IRL, hein, bien sûr, que j'ai à chaque fin d'épisode par téléphone pour me dire si on était dans le bon ou pas, m'a clairement dit, ah, dépêche, t'es déjà 9 minutes là, Bronto oublie, 22 pots, mais si j'ai assez je crois, attends, putain, mais je suis, punaise, moins de gros mots s'il vous plaît monsieur, mais si, mais j'avais tout, mais... Reste attentif. Il m'a clairement dit, le Bronto oublie, la selle, c'est pas avant le level 63 ou 64, et puis ça va être tellement galère. J'ai fait, bon, peut-être pas cet épisode. Allez, on fait l'atelier, on regarde ce qu'on peut rien faire, parce que parce qu'on n'a pas de métal, et on se fait un radeau, là, tout de suite. Non, pas un radeau. On fait... Oh, c'est quoi ça, là-bas? Ah non, c'est un Physomia, je sais pas, je connais pas les noms, c'est... Philomia, Physonomia, je sais, je sais pas. Ah, on vient, on apprendra au fil du temps, les amis. Atelier, let's go, c'est parti, les gars. Donc, peut-être là-dedans que je dois mettre ce plan.
Monsieur? Oui, je tourne un épisode là. Ce serait bien de dégager un petit peu le... Oh merde, c'est grand ce truc. Bon, hein, d'accord. On va mettre là à côté, je pense que ça passe, c'est pas dégueulasse. Hein. Mais non, ça passe nickel. Ouais, c'est bien comme ça, les gars. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Oh, arme. Armure, bouclier. Exploration, métal. Tiens, c'est quoi ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, ok. Truc en métal, des tuyaux. Pour retour, ça, ouais. Diverses structures sociales. Selles, des selles. Armes. Est-ce qu'il n'y a pas les machins, là, les des outils, là? Armure. Divers, peut-être, non? Oh, appareil. Appareil photo. Ciblé, prenez la photo. C'est quoi, un taser, ça? Stock, décharge. Ah, c'est pour alimenter. Ok. Je sais pas. Attends, pioche. Ah, si. Ah, lingot de métal 1. Waouh. Oh, les gars, on va pouvoir serrer la hache peut-être. Je crois qu'il me reste deux machins. Ah oui. Attends, attends, attends. Ça m'intéresse, ça, monsieur. Bon, 8. Bon, allez, on va serrer. Pioche. Comment je fais? Ça, sachez que je dois mettre là-dedans. Je suis pas tout à fait ignorant. C'est pas là-dedans? Commune. Accessoire peut-être, non? Divers. Ciseaux. Mêlée. Ah oui, c'est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10 pio. Il faut 10 pio. Ah, mince. Contrôle. Hop, ok. Hein? Ah, il faut 10 pio. On va chercher ça tout de suite, les gars. On est énervé, ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas. Ah, je me suis fait attaquer par un gros oiseau. Il est venu me dépouiller ce que j'ai sur moi aussi. J'ai pas eu le temps de le... Me demande si c'est pas le pélican là-bas. Donc on va essayer, comme je vous ai dit, de préparer les épisodes à l'avenir. Faire le moins de cuts possible pour que... Déjà, moi, j'ai moins de boulot. Et puis, de toute façon, qu'on loupe aucune étape à mon ascension. C'est plutôt le but, comme ça. Oh, si les épisodes sont longs. Si de temps en temps c'est un peu plan-plan, voilà, je coupe tant que ça ne porte pas préjudice. Ah, je sais pas ce que j'ai dit, je m'embarque dans n'importe où. C'est quoi ce petit bonhomme? Oh, c'est... Ah oui, c'est un machin. Attends, lui il m'a piqué des trucs là, attends. Reste là mon pote, T je crois, c'est poursuivre. Yes, ah t'es bloqué mon pote. Eh ouais, t'es bloqué ma petite gueule. Moi bon, j'ai vu la lance, quand tu la lances, niveau dégâts, c'est violent. J'ai mis un 100, quelque chose à... Regarde. Non, attends, c'est comme ça. 50, au lieu... Je tapais à 25, et en la lançant, 50. Oh, il m'avait piqué toutes mes flèches, oh, le gars. Alors. Ouais, j'ai vu des touches pour faire suivre directement et... Donc là, on a les pots, hein. C'était 10, les gars. Yes, 16. Alors, on fait le toit. Enfin, on fait. On essaye, hein. Normalement, j'ai pas mal de bois qui traîne. On fera un deuxième étage plus tard. Peut-être un enclos autour. On pourra englober un petit peu d'eau quand on aura un peu de matos. Meilleur. Un peu de meilleur matos que... ce qu'on a là, c'est-à-dire du métal, et puis on va chercher ces fameuses caisses. Il y a tellement de trucs à faire, les amis, c'est compliqué. J'ai du mal à m'orienter, m'organiser. Ah, armes, mêlées. Yes, pioche en métal, ça c'est bon. Par contre, celle-là, je vais la mettre en stock, hein, au cas où. Ah, donc c'est ça, voilà, le plan. Je vais essayer de le mettre là-dedans, peut-être que c'est ça. Non? Can be crafted. Là, il me le met en vert, tu vois. Lingot de métal 60. Et ça, c'est pour moi, mon pote. Yes. Ouh, regarde-moi cette brillance. Bon, tiens, toi, viens ici, attends. Parce que je sens le coup qui va
Marche arrière. Voilà. Tu restes avec carbo, je crois que c'est... Voilà, parfait. Allez, go. On va pas traîner, les amis, j'ai du bois. Ah, vous êtes encombrés, bien sûr. Et là, du coup, j'ai fait les demi-machins, là. Tu sais, pour le toit. Alors, je sais, ça va être encore une grande partie de rigolade pour vous. Donc là, il faut que j'en fabrique deux. Hop, attends, parce que j'ai mon micro qui est partout. J'ai mes quantités. Deux. Placé. Est-ce que c'est le... Oh, c'est... Ouais. Donc là, l'autre. Je suis pas serein, là. Là, je suis pas... Ah, là, c'est la... C'est là, l'armoire, les gars. Attends, j'aurais dû... Ramassage. Non. Ramassage, putain, ramasse-moi ça. Non, putain. Dans 3 secondes, vite, dépêche. 2 secondes, hein, putain, je peux pas. Putain, trop tard. Ta pignon de merde. C'était au cas où je peux... Punaise, je pouvais pas le ramasser. Putain de merde. Il m'a encore fumé des ressources, les gars. Bon, c'est pas grave. Il est où le toit incliné, oh. Toi. Attends, parce que je suis aveugle, hein, les gars. À toi incliné. Je voyais ça comme une simple planche. J'espère. Inventaire. Ah, je crois pas, je crois pas. Oh. On va dire que... C'est une cheminée. Ah, mince, il n'y a pas de truc, je suis obligé de faire un toit plat. Ça c'est... Alors attends, on va... un mur fenêtre, c'est ça. En haut. Encore un mur. Ah, je fais au compte-goutte, hein, les gars, vous savez très bien que je suis pas à l'aise, hein, sur la construction encore. Ouais, je sais pas, je c'est pas A. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah putain, j'ai fait un... C'est pas un incliné, mais c'est un plafond en bois. Bah de toute façon, il en faudra peut-être. Et j'avais aussi à vous demander, les amis. Eh oui, t'as vu le piège? C'est exactement le même truc, plafond en bois. Plafond en bois incliné. Les autres que les méjoberies et les machins, ça sert à quoi, les boules jaunes, les... Ah, il n'y a pas de... Attends, schéma. Il n'y a pas de... Tu sais, juste un petit truc comme ça sur une case. Je crois pas que j'ai vu ça, les gars. Attends, on va regarder ça ensemble. Petit café normal. On va faire un toit plat. On va faire une maison Lego, hein, pour commencer, les gars. On n'est pas... Alors, il m'en faut encore... 2, 4. Attends, je vais mettre d'abord les pignons. Ah. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui, monsieur. Eh bah oui, faire le tour. Oh, je peux pas passer. Oh. Je peux pas passer. Ah putain, c'est quoi cette merdier que j'ai encore fait? Oui, tu savais que j'allais être coincé. Et tu m'as rien dit. Ça, on enlève. On va mettre deux. Un demi-mour. Ah, qu'est-ce qu'on peut mettre là au-dessus? Qu'est-ce qu'on peut... Aïe, 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 aïe. Ah, je sais pas. Écoute, on va fermer tout le reste. On va attendre ça pour la fin. Ah, je suis bien coincé là. Et pourtant, j'ai fait la taille miniature, les gars. Ah, ça fait petit et tout, mais bon. On verra par la suite, c'est pas grave, mais. Ah, jeter, mais non. Allez, on va se dépêcher, non. Personne nous presse, les gars. Personne nous presse, on a le temps, on est en famille, on se fait plaisir. Ok, là on est bien. 4, alors on va faire 4 inclinés. Hein.
What? Un seul? Dire j'ai plus de ressources déjà. Qu'est-ce qu'il faut pour en faire là? Eh, hey, monsieur. Bois. Ah si, attends, j'en ai encore. Eh oui, il y en a. Donc, trois encore. Trois, on va... Histoire de boucler ça tranquille. Et je vais laisser ouvert... là, je sais pas. Si, je vais mettre un demi-mour. Ah, ça fait quand même plus propre. Et puis, ben... Plafond. Oh merde, il veut pas. Ah merde alors. Ah, est-ce qu'il fallait que je mette ces poteaux de... Comment te dire? C'est quoi cette merde, putain? Attends, on va faire un mur. Ouais, un niveau super, mais... Ok, et on va essayer du mur de mettre le machin, si c'est ça. Yes. Alors dans ce cas-là, on va faire un... Là, je peux ramasser. Bon, j'ai gaspillé pour rien, c'est dommage. Un demi-mur, est-ce que j'ai ça? Je crois. Hein. Attends, on va mettre énergie. Alors moi qui voulais faire un radeau. Demi-mur. Je crois qu'il y a ça, non? Ah, tu dois te marrer. Ben oui, je sais bien. Passerelle, volet, cadre. Ah, je crois que je suis cuit, là. Ah, comment je vais fermer ça? Bah là, je suis coincé. Ça n'a pas l'air symétrique. Pourtant, j'ai bien fait le truc. Ah, tu me diras, c'est pareil. Écoutez, les gars, je laisse comme ça. Je vous... Ouais, je... Dans les commentaires, il y aura certainement un... Une astuce, hein, t'as le truc là, du coup on a la pioche en fer. Ah voilà, le petit radeau que je voulais faire. Alors qu'est-ce qu'il nous faut le petit radeau? On va quand même partir à l'aventure un peu. Fibre, bois et peau. Ah, peau, bon. C'est pareil. Yes! Attends, je vais peut-être me mettre au bord de l'eau. Alors ce que je vais faire, je vais faire un radeau. Je vais essayer de mettre mon para dessus pour partir à l'aventure avec lui. Je sais pas si on peut. Si on peut, ça serait ouf, hein. Alors, hop, ah mais si, fabriquer. Alors s'il n'y a pas une petite île là-bas dans le coin ou... Allez, on va peut-être réparer ça aussi si on peut. Eh oui, on peut. Et placer les gars. On va chercher le para. Du coup, est-ce qu'on peut faire... Attends, je vais boire. Nouveau niveau. Ça, c'est plutôt cool, les gars. J'avais dit énergie. Donc, level 31, les gars. On monte à 200. Pour l'instant, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de faire... Ah, je sais pas s'il arrive à grimper dessus, le gars, là. Attends, on a du métal. On va le mettre en fonte. Ah, elle est belle, cette maison. Alors, ouais, voilà. S'il faut que je rajoute des piliers, si j'aurais dû les mettre avant de mettre ça... Mais après, j'ai vu le pilier, si tu poses une plateforme dessus, il va au milieu, il va pas sur le bord. Est-ce que j'aurais dû... Je ne sais pas. Je sais pas. J'ai pourtant vu des guides et tout, mais je sais pas. On sait pas là. F, il t'a dit. 7. Ok. Bah, le reste, on va déposer là. Le reste qu'on n'a pas besoin.
Ah, quoi que si, faire des flèches. Un peu de tout là, je sais pas ce qu'il faut déjà. Oui, fibre encore. Accéder là. Alors on est encore loin de d'un truc exemplaire. Hein. Des flèches, est-ce que je peux en faire? Je crois que c'est des... Ouais. On fabrique, voilà. On a jamais assez de flèches. Mon petit, tu es prêt? Allons faire un tour sur l'eau. Ah mais il saute pas en plus. Normalement, peut-être que... Ah pas, je vais voir. Oh! Allez, pars à l'aventure mon pote, hein. Tu restes là. S'il vous plaît, merci. C'est de voir. Non, mais commence pas à faire caca sur le radeau, s'il te plaît. Oh. T'es prêt, mon pote? Oh. Attends, je peux pas faire la... Oh, les gars, on est parti. Chut, turbo. Oh, putain, c'est stylé. Moi, je sais... Putain, je suis où? Attends. Qu'un. Ah, je sais pas, il doit bien avoir des... Ah, il y a l'île, elle est là-bas. Mais attends, tu sais quoi? Viens, on fuse là-bas, voir un peu ce qui se passe quand même. Découvrir. Peut-être qu'il y a une île cachée, c'est pas marqué sur la map. Bon, on sait où on est, hein. C'est pas un problème. Oh, il y a un truc à récup là-bas, mon pote. Attends, on va aller... Des reflets, là. Faire un truc, ça tourne au moins le machin là. Ça tourne pas, tu vas me dire. Oh, ça tourne pas ce truc, putain la vache, c'est comme le carbo, y a rien, je peux que faire un tout droit. Oh. Allô. Ah, c'est peut-être parce que je suis en mode de... Ah, parce que j'étais en mode touche-ca. La... Eh oui. Bien sûr, tu me l'as dit, je t'ai entendu. Eh hey, s'il y a des oiseaux là, c'est qu'il y a... Il y a de la terre là. M'étonnerait qu'il aille aussi loin lui. Hein. Eh oui, la touche-ca. Hein, pour prendre un peu de distance. C'est ça qui m'a. Ah, je crois que j'arrive au bout de map. Hein. Attends, je vais voir. Je connais pas le. Un salopard de pélican. Bam! Les gars, on découvre. Hein. T'énerve pas. Je sais que t'es... Oh, il y a un truc là-bas. T'as vu? Dans l'image, là, je tourne. Ou alors, c'est les reflets. Enfin, c'est les reflets de quoi, ça? Ah, y a pas l'air d'avoir grand-chose, là, les gars. Je crois pas. Hein. Si, regarde. Regarde à gauche, en haut, là. Ah, c'est peut-être vraiment le... Le fond de la map. Hein. Ah, tu sais quoi, on va aller au bout là-bas, voir ce qu'il y a, tiens. Allez. On va découvrir, les gars. Bon, bah, les caisses d'XP, c'était pas pour aujourd'hui, finalement. Ah, et en plus, il y a un cône de loot, là. Je sais pas quoi. Un cône de loot. Un cône, un... Un diamant de loot, voilà. Un artefact, si tu veux, ou une capsule temporelle de l'espace-temps de l'infini, à travers toutes les générations. Attends, on va rentrer dans ce petit estuaire. On essaye des termes, hein, les gars, des mots techniques, hein, s'il vous plaît. Ça change des gros mots. Allez, on se pose là, mon petit pote. Est-ce que t'es chaud? Il part pas là. Ouais, il reste là, bouge pas. Hein. Il saute. On va chercher le... La récompense diabolique. Ouais, et tu me suis, petit copain, là. Non. Oh. Poudre d'étincelle, ouais. Allez, torche sur pied, à la limite. Oh, trois caisses, les gars. Un lit, ouais. Une pancarte. Ah bah allez, vas-y, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici, les gars? Pas une petite caisse, là, d'XP. Au moins pour finir sur ce qu'on avait prévu.
Oh, c'est un endroit stylé pour faire une base, ça. Les gars. Pouah, c'est... Là, ça aurait été stylé. Là, ici, j'en suis sûr, t'es peinard de ouf. Hein. Regarde, avec les grosses parois et tout, là. Que des paras, des trissés. C'est pas mal, là, ici. On va se trouver au moins une caisse, là, voir ce que ça donne, parce que... On va essayer d'en trouver, hein, je... Elle para, il tient la route, il est cool. Oh, c'est quoi le truc là-bas en rouge? Bon, mon radeau, allez, on devrait retrouver facilement, hein, on a vu le truc. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Allez, on va se rapprocher, puis on va en rester là pour cet épisode. Par contre, en dino, je vois toujours les mêmes. Hein. Punaise, il n'y a pas de nouveaux trucs. Il n'y a pas de T-Rex, il n'y a pas de loup, de mammouth, de d'argentavis, de viverne, de machin. Je vois que les mêmes merdes. Après, je suis resté qu'au sud aussi. Donc, je sais bien. C'est quoi, on traverse, hein, on va voir. On va voir de plus près. Oh! Oh, what the fuck is that, man? Oh, crocodile! Oh, j'ai vu une ombre de ouf, mon pote! Oh! Oh, je me suis dit, c'est quoi ça? Une baleine, mon pote! Je vais te défoncer, petit gars. Oh, c'est quoi ce motherfucker, hein? Oh, il est gigantesque! J'ai une ombre là, mon gars. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de ouf? Allez, je suis combien mis de... Ah, je vais pas le sacrifier. Attends, là-bas, c'est moins profond, c'est moins loin. Ouh, j'ai eu chaud, les gars. Alors, au niveau énergie, il est balèze, le parrain, là. Allez, on y va, là. J'ai rien vu. Oh, j'entends des trucs crier derrière moi, là. Te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas, te retourne pas. Te retourne pas. Oh, c'est quoi cette pierre? Qu'est-ce que c'est que cette... Ah, c'est une pierre normale, non? Il n'y a pas de brillance. Ah non. Ah, c'est... T'es chaud, le croco, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin, les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde en bas! Oh, un requin de cinglé! Mec, y a quoi, là? Ouais, bah ça, c'est peut-être pour plus tard. Oh, j'ai failli tomber. Oh, ben, les amis! Ok, on se fait pas gros, c'est bien. Toujours dans la lumière, hein, bien sûr. On va en rester là pour cet épisode. Ouais, bah t'as vu, j'ai essayé de faire un effort sur le la construction, mais on a encore un petit peu de mal, hein, bien sûr. Hein, donc je fais quoi, s'il vous plaît, pour fermer juste mon petit toit, nickel, hein, en version simple, s'il vous plaît. Et bah, écoutez, on va continuer à explorer. Prochain épisode, on va essayer de up encore. Des bruits bizarres, un gars qui vient de crier ah, je sais pas, donc c'est un peu la galère. Ah, le joueur. Ah, il y a des bruits bizarres, les gars. Je vais pas rester ici très longtemps. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir suivi. J'attends vos retours avec impatience et à la prochaine, les amis. Ciao.